que les gens n'ont pas d'appétit. T'as vu les blessés qu'on a amenés à l'infirmerie ? Rutherford. Le majordome de mon oncle s'appelait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait à l'auberge de Martha ? Vous êtes bien Sir Clive, n'est-ce pas ? Alors vous avez reçu ma lettre. Je vous remercie d'être venu. Je me présente, Sebastian Rutherford, intendant au service de votre oncle. Bien sûr. Nous nous sommes déjà rencontrés chez lui. En effet, Sir Clive, je suis ravi de vous revoir. D'après votre lettre, vous avez besoin d'aide. Pouvez-vous m'en dire plus ? Excusez-moi de vous avoir fait déplacer sans vous donner plus d'informations. C'est que, voyez-vous... Ce n'est pas grave. Expliquez-moi tout. Si je suis ici, c'est parce que votre oncle m'a demandé d'enquêter sur la situation dans le Verponant. Et la situation est grave. La confusion règne depuis que le ciel a pris cette teinte inquiétante. Sans parler de la destruction des Christomères... Les institutions des différents pays ne fonctionnent, pour ainsi dire, plus. Ce contexte nous fait craindre une explosion de violence. Les éthériques se multiplient et passent à l'attaque. Tandis que la peur et la pénurie divisent la population, incitant certaines personnes au vol et même au meurtre. Notre civilisation risque de sombrer dans un chaos sans précédent. Votre oncle veut faire tout son possible pour limiter les dégâts. Il m'a donc demandé de rassembler des informations sur le terrain pour pouvoir formuler un plan. Je vois. Ce projet ambitieux ne m'étonne pas de lui. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons fort à faire. C'est pourquoi j'ai demandé de l'aide à plusieurs de mes collègues qui sont au service des sept dynasties rosaliennes. Cependant... Qu'y a-t-il ? Je n'arrive plus à joindre deux de mes collègues. Je m'inquiète pour eux et je me demandais si vous pourriez partir à leur recherche. Votre inquiétude est compréhensible. Où était-il la dernière fois que vous avez eu de leurs nouvelles ? L'un était à Dalimil et l'autre dans les environs de Francastel. Il faut espérer qu'ils y soient encore. Je vais commencer par me rendre à Dalimil. Je vous remercie de votre aide, Sir Clive. Faites attention à vous. Si le collègue de Rutherford était encore en ville, il serait en sécurité. Allons le chercher hors des murs. Maman, tu crois qu'ils vont revenir ?
T'assure que les gars de la milice sont... Ça ne me dit rien qui vaille. Allez, mène-nous à ton maître. Il a intérêt à payer la rançon ou tu vas y passer. C'est impossible, je vous l'ai déjà dit. Alors on prendra tout ce qu'on pourra sur ta dépouille. Aidez-moi, je vous en supplie. Je m'en occupe. Merci. Alors, c'est vous son maître ? Si vous payez ce qu'il faut, alors nous oublierons que vous avez osé menacer des soldats de la République. Je vous conseille de disparaître avant que je vous dénonce à vos supérieurs. Ah, tu peux toujours essayer. Nos supérieurs, on les a tués. Ce comportement ne m'aurait pas étonné de la part des hommes de Hugo, mais c'était bien des soldats de l'armée régulière. Eh oui. En tout cas, je ne vous remercierai jamais assez. Dites-moi, est-ce que vous travaillez pour Rutherford ? En effet. Comment êtes-vous au courant ? Rutherford n'avait plus de vos nouvelles. Alors il m'a demandé de partir à votre rencontre. Que s'est-il passé avec ces soldats ? J'ai été envoyé ici pour étudier la situation en Dalmeki. Il y a quelques jours, en arrivant à Dalimil, j'ai pris contact avec le capitaine des soldats stationnés dans la ville pour avoir des renseignements. Mais ces hommes m'ont menacé et jeté au cachot. C'est à ce moment que vous avez perdu le contact avec Rutherford, j'imagine. Ce qui les intéressait, c'était l'argent, donc je leur ai donné ce qu'ils voulaient et j'ai pu partir. Mais une autre bande de soldats s'en est aussitôt prise à moi. Le gouvernement d'Almec ne fait plus son travail. Et à ce que je vois, l'armée aussi est en plein désordre. Oui, les généraux restants se cachent derrière les remparts de la capitale pendant que leurs sous-fifres terrorisent la population. Les hauts gradés ne peuvent plus les contrôler, ou alors ils ne sont même pas au courant. Je vois. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Vous devriez quitter la région et faire un rapport à Rutherford. Vous avez raison. Merci encore. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous en prie. Mon oncle avait raison. La population est en danger. Je crains le pire pour l'autre associé de Rutherford. Allons vite à Francastel. Commençons par suivre la route d'Oriflamme. Notre homme y sera. Peut-être.
Est-ce que tout va bien? Ça pourrait être pire. En tout cas, je vous le dis tout de suite, je n'ai plus un sou. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous voler. Je cherche quelqu'un qui travaille pour un certain Rutherford. Dans ce cas, vous avez trouvé la bonne personne. Moi, c'est Alistair Rockford. Je suis l'intendant de Dame Ariane Wellesley, des sept dynasties de Roselia. Dame Ariane? C'est ma grand-tante. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus eu de ses nouvelles. Comment va-t-elle? Attendez, vous êtes Sir Clive Rosfield? Eh bien, Dame Wellesley se porte comme un charme. Elle m'a demandé de partir en mission pour aider Rutherford. J'allais arriver à Francastel quand j'ai vu des villageois se faire attaquer par des bandits, ici même. Quel genre de bandits? Eh bien, maintenant que j'y pense, ils ressemblaient plutôt à des paysans qu'à des professionnels. Quoi qu'il en soit, ils voulaient détrousser les villageois. J'ai essayé de m'interposer, mais ça s'est mal passé pour moi. Par où sont-ils partis? Par cette porte. Pourquoi? Compris. Je vais les rattraper. Hors de question qu'ils recommencent. Êtes-vous capable de marcher jusqu'à Francastel? Vous pourriez vous réfugier chez Madame Apolline, à la Nuit Galante. Dites-lui que je vous envoie. D'accord. C'est compris. Je vais y aller. Merci pour votre aide. Ils s'en prennent déjà à quelqu'un d'autre. On dirait qu'on a un nouveau client, les gars. Si j'étais vous, j'irais me réfugier en ville. Les routes ne sont pas sûres. Merci, vous m'avez sauvé. On me reprendra plus à voyager seul. Sir Clive, vous n'êtes pas blessé? Je vous avais dit de vous mettre à l'abri à la Nuit Galante. Excusez-moi, je ne pouvais pas rester sans rien faire alors que vous étiez en danger. Ne vous en faites pas pour moi. J'ai réglé leur compte aux bandits qui vous avaient attaqué. Merci, Sir Clive. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils osent attaquer des voyageurs sur une route si fréquentée et si proche de la garnison de Francastel. Les événements récents ont coupé certaines voies d'approvisionnement, ce qui a créé des pénuries alimentaires. Même les denrées essentielles ne sont plus accessibles aux simples paysans. Les plus pauvres en sont réduits à voler ou à se battre pour manger. Et si ça continue comme ça, de plus en plus de citoyens ordinaires deviendront des bandits de grand chemin. Écoutez-moi, Rockford. Je vous suis reconnaissant pour ces informations, mais il faut avant tout que vous trouviez un soigneur.
Avec ces blessures, vous n'êtes pas en état de continuer votre mission. Oui, vous avez raison. Je vais commencer par retourner à Francastel. Mais d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu à mon secours. C'est à Rutherford qu'il faudra dire merci. Il s'inquiétait pour vous et m'a envoyé à votre recherche. Je lui enverrai un Stolas dès que possible. Au revoir, Sir Clive. La situation à Sandbreak est aussi grave qu'en Dalmeki. J'espère que mon oncle pourra faire quelque chose. Je devrais dire à Rutherford que ses collègues sont sains et saufs. Rutherford, me voilà. Sir Clive, je vous remercie de votre aide. J'ai eu des nouvelles de mes deux collègues. Ils m'ont expliqué que vous les aviez tirés d'affaire. Heureusement que je les ai trouvés à temps. Ils étaient victimes de la violence et de la corruption sur lesquelles ils devaient enquêter. Oui. Comme vous avez pu le constater vous-même, il n'y a pas une région qui échappe au chaos. Votre oncle et moi-même allons faire tout notre possible pour améliorer la situation au Verponant. Je vais m'empresser de lui faire un rapport pour que nous puissions réfléchir à des mesures concrètes. Merci, Rutherford.